Bonjour, je suis Lydia Charlie, le maire de la ville de Victoria, des îles Seychelles. Les Seychelles font partie de la grande famille francophone, ce qui fait la fierté de la ville de Victoria d'être aussi membre de l'Association internationale des maires francophones depuis voilà 30 ans. Le partenariat avec la IMF a été la première coopération décentralisée établie par Victoria. Les autres accords conclus après faisaient suite aux colloques et assemblées générales. La coopération internationale directe ou par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères ont permis à Victoria de se rapprocher des villes des grands continents, de participer dans les conférences internationales et s'inspirer des nouvelles développements, de comprendre des autres et de promouvoir, construire des programmes pertinents pour le bien-être et l'épanouissement social et économique des habitants de Victoria et des districts avoisinants. La francophonie, en prônant les valeurs universelles et le développement durable, soit assurée que les programmes qui déclinent des stratégies mises en place impactent positivement les populations de base. Ces populations sont les habitants des villes. La ville de Victoria se rallie fortement au thème retenu par la francophonie pour 2024, c'est-à-dire de créer, innover et entreprendre. Ce thème nous propose vers l'action, vers des activités concrètes, vers des productions au service de l'humanité, dans le respect de l'environnement. J'invite donc le grand public à se mettre à l'action et à faire ce qu'il peut faire de bien pour lui-même, sa famille, sa communauté, sa ville et son pays. Je formule le vœu que les chefs d'État s'accordent à renforcer les outils et les moyens de gouvernance des maires pour qu'ils puissent mieux répondre aux attentes de leurs populations respectives. L'IMF a su maintenir ce réseau dynamique entre les villes francophones du monde et professionnaliser les maires chaque année avec des thèmes de rencontres intéressants pour la bonne gouvernance de nos villes. Merci bien.